pour la petite. T'as réussi à joindre la mère? Non, son portable est coupé. Elle est sacrément gonflée de partir en te laissant la môme. Elle a replongé dans la dope. Quoi? On a trouvé une seringue dans la poubelle chez moi. Une mère junkie, un père en tôle. Pauvre gamine. T'as appelé les services sociaux? Ils sont pas là avant 9h. Ça va, Martin, je gère. Comme tu voudras. Ici, on est en plein western, hein, des types qui élèvent des bisons et qui se prennent pour des cow-boys. Vous me parliez d'un crime de rôdeur? Oui. A priori, il s'agit d'une tentative de vol qui a mal tourné. Tentative, vous voulez dire que rien n'a été volé? Venez. D'après le mari de Pauline Belmont, non? Il s'était endormi en regardant un western sur la mezzanine. Casque sur les oreilles. Et c'est seulement ce matin à 6h qu'il a découvert le corps de sa femme dans le lit. La chambre, elle se trouve où? Par là. L'heure de la mort, Nadia? Eh bien, écoute, je dirais entre 2h et 4h du matin. Si Pauline Belmont s'était pas réveillée, le voleur aurait réussi un joli coup. Ni vu ni connu. S'il savait ce qu'il venait chercher, ça veut dire qu'il connaissait la maison et les habitudes du couple. Mais alors pourquoi prendre le risque de venir pendant qu'ils sont là? Le gars a cassé le carreau. Puis a passé la main par le trou pour atteindre la clé. C'est classique, hein, mais toujours efficace. Vous en pensez quoi du mari qui a rien vu, rien entendu? Il s'est effectivement endormi avec un western dans les oreilles. C'est possible. Il n'y a pas d'autres traces d'effraction dans la propriété? Non, ni d'empreintes de pas suspectes. Le terrain est trop sec pour ça. Le mari met le casque sur ses oreilles pour pas réveiller sa femme. Résultat, elle se fait dézinguer, pas lui. C'est pas de bol. Hein. Ça dépend pour qui? L'élevage de bisons, c'est pas très courant? C'est une passion familiale. Mon père a été le premier à en faire venir en Aquitaine. J'ai repris le flambeau. Et le village western, c'est une autre de vos passions? Je l'ai créé pour tous les amoureux de l'ouest américain et de la country.